Les gens de mon âge ou plus âgés, on est des survivants. On est des Jedi, sans déconner. Non, mais sachez, on avait du mercure dans les dents, de l'amiante sur la tête, Dorothée à la télé, on est encore là. Mais sans, t'as vu la génération qui arrive d'espèces de gamins de 8 ans, on dirait des saumons d'élevage surprotégés, là. T'es, dès qu'ils tombent par terre, oh mon Dieu, il est tombé. Moi, j'étais une croûte ambulante à l'époque. Ma vie était un tonneau, sérieux. Je vous ai, j'étais mon neveu, le fils de ma sœur, 8 ans, il fait du vélo avec un casque. Nous, les gamins, à l'époque, à les casques, on les finissait à coups de cailloux. Je lui ai dit à ma sœur, je lui ai dit, s'il n'est pas capable, ton fils, de faire du vélo sans sauver la tête, c'est qu'il n'est pas fait pour vivre dans notre monde. Laisse faire la nature. Il tombe aux Atlantiques, caniveau, et il disparaît. Mais non, mais arrêtez vos conneries. Vous avez vu leur jardin d'enfants, comme ils sont? T'es, le sol est mou, tout est en bois. T'as rappelé nos jardins d'enfants à nous? C'était des barres de fer chauffées à blanc au soleil, tu mettais la main... Les toboggans étaient à 8 mètres, tu tombais, tu finissais paraplégique, il y avait des gamins qui mouraient le lendemain, leur corps était tracé à la craie par terre. Le tourniquet, vous vous rappelez notre tourniquet? Moi, dans mon village, j'ai l'handicapé mental de 25 ans, il vous est tourné comme ça, t'avais des enfants qui volaient, tu retombais dans du sable, il y avait des merdes de chiens, tu rentrais en sang chez toi et ta mère, pour te laver, elle faisait « Allez, viens ici, viens, voilà, c'est comme ça ».